Aujourd'hui, on va faire le test HN sur Xbox Series X. On va voir comment ça donne. Qu'est-ce que c'est comme jeu? On va voir. Alors, si on dirait un jeu d'aventure, un chevalier. Nouvelle partie. Alors, style, on peut créer son style. Coiffure. Ouais, comme ça, on peut mettre la barbe. Ouais, mais comme ça, tu sais. Mettre comme ça qu'on le voit bien. Coloris, ouais, accepter. C'est bizarre le personnage, hein. Y a pas les yeux, y a pas de bouche. C'est bizarre. Among the stars, the ashen fly. Beneath, the nine realms move among the tree of world's many branches. Proudly standing upon the darkness, its roots delving into caverns where light will never venture. It was when a single great ashen flew down to rest upon her boughs, that the light woke among the realms. Mais c'est un oiseau, Ashen? C'est qui s'est posé? The great Ashen grew weak with age and fell from the tree of worlds, resting upon the plains of darkness, drawing what few breaths remained. In the throes of death, the light dimmed, and the Ashen's final three breaths became the three golden ages of light. The first age saw three creatures of the dark plains rise above all others. The Elder Dark fed upon the light and thrived. The second marked the coming of the Listener Matriarchs, Titans who revered the light. The third breath was the Age of Man, Geffen's children. When the final breath ended, there would be a time of darkness. In that black age, the cities of man fell into ruin, toppled by war and emptied by pestilence and famine. Proud Lathyrus drowned beneath the ash. D'après ça que j'ai compris, capture la lumière des âmes, comme ça, les méchants, les créatures. From dust to flesh, from darkness to de la lumière. Soon the Ashen will be reborn from the ruins of its old body. And a new age of light will begin. Il manque un bras à lui. L'air de la lumière. Ashen long ago, a guardian to its waning light, even though it broke me with its brilliance. Now, look to the mountain peak, for that is where fresh hope blooms. Ça m'a un petit peu des Vikings, monsieur. Protéger la lumière, ça je comprends. Mais le premier étincelle. The first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains. Alors, comment ça marche? Hop, faut se battre. If you stare at the lui, voilà. Alors, il faut aller où là? Est-ce que attendez, je vais regarder ce qu'on peut faire. Ah, il y a multijoueur, d'accord, on peut jouer à plusieurs. Débloquer pas mal de choses, emplacement. Par contre, pour l'instant, j'ai rien. Hop, où c'est qu'il faut que j'aille? C'est mais joli, à part lui là. Je vais voir là-bas. Puis nuit. Ah, il y a la lumière. Attends. La forêt, voilà. On va aller par là.
une sorte de jeu d'aventure. Alors, j'ai récupéré une hache. Merde, comment je fais? Je peux pas la mettre en deuxième, ça? Ah, j'ai oublié de la mettre directement, d'accord. Déjà j'ai une hache, c'est pas mal. Ok. Ça. On va prendre ça. Quoi ça? Ah, c'est un bouclier, d'accord. Un bouclier. Là, ça c'est facile à jouer, à la jouabilité. Graphiquement, c'est pas mal, quand même. Voilà. Encore on peut jouer à deux, vous voyez qu'il y a un autre personnage derrière avec moi. Ça... Est-ce qu'il est capable de faire le double saut lui? Non. Tomber. On va sauter? Si on peut sauter. Ah putain, je suis con. J'ai sauté avec le mauvais bouton. Ça sert à quoi à améliorer le... Non, allez. Je vais le prendre. Moi je me fais tomber d'un côté. Scarabée, ça améliore la force. Hop. Ah, j'ai un succès, j'ai tué un lapin. Alors tout ce qu'on chope, il faut le mettre dans les inventaires, je vous le dis directement. Ça fait monter le niveau du personnage. Ça c'est pour mettre de la vie. D'accord. On peut monter ? Ouais. Il peut grimper. D'accord. Attends, s'il peut grimper, c'est qu'on peut remonter en haut. La caméra, par contre, elle met pas beaucoup. Alors. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Appuyer pour escalader. Mais là, je peux pas. Je peux pas aller plus haut, là. Je vais monter jusqu'en bout, mais quand même. Est-ce qu'il y a un chemin par là? Hop. Je peux. On va pas y aller, là. Pourquoi il n'y a pas de course pour aller plus vite? Une attaque spéciale, je viens de découvrir. Là, on a récupéré le sabot de blanche. Alors le saut par contre il a mis un Y, il aurait dû mettre au A. Comme tous les sauts quoi. Merci. On voit pas qu'il est mis au A. Là. Ça va être sympa de jouer en coop à deux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? There are those that thrive, la lumière, les créatures de la nuit, hein. And would extinguish these fledgling rays. We must find the Ashen and protect it from the Elder Dark. L'homme. D'accord, ils ont tous fait sauter. Oh putain. Il y a la lumière, si t'en veux, hein. Il y en a un paquet là. Alors, Ashen. D'accord, tout ça pour nous montrer le titre. D'accord. Ah ouais, elle est tombée dans une grotte, d'accord. Ah, la prise en main assez facile, jouabilité, ça va. Ça peut aller, à part le saut qui est un peu mal foutu. Elle devait être au A. On comprend pas pourquoi ID ou Y. Par contre, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu rigide. Mobilité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Vous voyez, on peut bien bouger, mais sans plus ça, on peut pas... What a sight. Our world once more bathed in ash. Le monde de nouveau baigné dans la lumière. Ah, j'ai mis la putain de lumière, même. We will need le soleil, ça, et puis c'est bon. The Ashen is still a sleeping child. L'enfant endormi... We must wake it from its slumber. Au fond de sommeil. L'histoire elle est assez basique quand même.
Hop, nouveau voyage disponible. Ah, nouveau voyage disponible. Ah ouais, on dirait qu'on peut voyager de coin en coin. Ah, je peux sprinter, ça y est. Allez, pas débloqué, je me suis dit. Pour attaquer les animaux. C'est quoi ça? Ça c'est l'inventaire. Le bouclier. Ah, ça c'est beaucoup mieux parce que c'est vrai que d'aller chercher les inventaires comme ils avaient mis. C'est un ennemi. On l'a attaqué à deux. Fais m'avoir. Faut que je trouve comment. Le bouclier, comment part? Ouais, c'est comme ça. Tu vois comment j'ai fait le super attaque tout à l'heure? Je m'entraîne un petit peu. Oula! J'ai fait kiffer lui! T'as kiffé le truc, hein. Je voulais attaquer. J'aurais peut-être pas dû. J'ai vu un peu grand là. Je suis mort direct. J'ai pas les armes qu'il faut pour ça, pour attaquer ça. Allez, c'est pas grave, on est reparti. Où est-ce qu'il est l'autre? Hop, j'ai déjà perdu la course. Je sais plus comment on fait. Ah si, c'est là. Ah, les boutons sont un peu mal placés. Oula, la caméra aussi, elle nous aide pas. Pourquoi la caméra elle est là? Faut un peu s'en rappeler des choses qu'il faut mettre, hein. C'est un peu le... Appuyer pour esquiver. Ah ouais, pour esquiver c'est celui-là. Est-ce que j'ai de la vie? Merde, il y a l'autre qui arrive. Par contre à deux, c'est pas plus facile. Il me faut de la vie. J'en ai pas. C'est la course. Hop, fais monter mon personnage, par contre j'ai plus de vie là. Comment je fais pour mettre de la vie? Là, un coup je suis aux oubliettes. Là. Il y en a qui m'attaque en haut. Il y a genre des tribus qui nous attaquent là, je sais pas pourquoi. Alors, faut récupérer tout ce qu'il y a sur les corps. Ah, je vais récupérer. Est-ce qu'il est plus puissant celui-là? Ah, s'il est plus puissant. Alors. Équipement. Oh la vache, on court la masse. Ça fait mal ça. Oui, j'ai plus le bouclier. Pourquoi j'aimerais bien savoir comment on remet de la vie. Par contre, il n'y a pas de carte pour savoir où c'est qu'on veut. Oui, bizarre. Hein. Je suis allé à un autre endroit. J'allais y mettre un goût là. Ça
vais tuer le genre de biche, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai pas les armes qu'il faut. Je peux pas monter. Je peux pas descendre. Hein. Hop. On dirait qu'on peut faire aussi des arcs à mon avis, on peut avoir créé des arcs, des choses comme ça. Voilà. Oh là, j'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu. Mais j'aurais dû le laisser, peut-être qu'il m'en remet la vie. Ah oh, putain, je sais pas s'il m'en remet la vie. Putain, pourquoi j'ai appuyé? S'il faut, il m'en remet la vie. Je suis con. Merde. Il y a pas de niveau en plus. Il y a pas facile, normal, difficile. Il me remet toujours au début, hein. C'est de malade. Hop. Allez, on est reparti. Il faut avoir des armes, je pense, un peu plus haut là. Alors, je vais refaire ce que je viens de faire. Tiens, je vais avancer. Sans trop me battre. Seul problème, c'est que l'autre, il va pas me suivre derrière. Je vais le laisser se battre. On les laisse se battre entre eux. Je crois qu'il aurait pu faire une sauvegarde un peu plus... éviter tous les combats. Comme j'ai fait. Les autres qui attendent là. Là je vous le dis, il y a un piège. Ça nage. En fin de compte, je pense qu'il faut faire monter le niveau du personnage avec les armes, parce que là... Par contre, pour parer les coups, c'est pas évident. Je peux passer par là aussi. Là, il y a des attaques de partout et des voleurs de partout. Ah. J'ai appelé ça des... des voleurs. Lui, il est là. Admire votre foi, mais le danger est grand. Pour le build. Je parle à l'autre, je poursuis les machines. Ah, te bats pas. Casse-toi. Récupère un truc. Ah ouais, mais il y a la fatigue, c'est vrai. Et ces putains de clans là, c'est une sauvegarde ça. Je suis arrivé dans le clan des autres là. Ils vont pas attaquer eux. Ah, moi je suis sûr qu'eux ils m'attaqueront pas. Ah je dis ça, je tombe sur ah ben non, je suis tombé sur le clan. Ah putain. Il avait vu, je me serais pas arrêté. Et l'autre il est à perdre pété au schnock. Il a dû se faire attaquer. Et c'est reparti. Putain, c'est pas évident. En plus il n'y a pas de sauvegarde vraiment pour aller d'un endroit à un autre. C'est un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de sauvegarde. Pour l'un clan à l'autre. Je vais essayer d'avancer, d'aller de l'autre côté sans me faire attaquer. En fin de compte, j'ai bien compris, il faut rester avec l'autre, avec le deuxième personnage. Moi, comme je vais vous en montrer beaucoup dans le jeu, c'est pour ça que j'essaie d'avancer. Trouver l'allumer, hein, l'allumant, pas quoi il veut là, le marteau. Trouver une sorte de marteau, je sais pas ce que c'est en haut, il m'a... Je peux aller par là, c'est vrai que je suis pas allé. Ah ouais, il y a la bestiole là. Oula. Toujours un mec qui est planqué pour nous attaquer, quoi, pour détruire la bestiole là, laisse tomber. Où est la lumière du bataron, je sais pas ce que c'est ça. Je trouve un truc là qui dit un objet. C'est un truc qui peut m'aider pour l'arme, pour que ce soit plus puissante. Yep.
on ne peut pas passer à la flotte, je vous le dis, on ne peut pas nager. Il y a quoi ici? Ils sont un paquet là. Ils sont un paquet. Ennemis. J'évite tous les ennemis moi. Oula. À deux là. Alors souvent ils sont à deux en plus. Allez, avance. Tu fais pas attaquer. C'est pas la peine que je lui parle. Il m'a rien donné tout à l'heure. Il y en a un avec sa hache. Je me casse. Quoi la hache? Avec sa hache, il est puissant. Il faut monter les niveaux de tous les personnages du personnage. Not safe, not safe, never safe. Pas acheter son truc là. Je me méfie parce que l'autre côté il m'avait attendu. J'ose pas rentrer dans le truc là, parce que j'ai peur de me faire attaquer. Une sorte de loup même. Ah, il y a des loups et... Ouais, le con, il y a des loups qui nous attaquent aussi. Total. Bon, j'avance un gueule. J'ai mon collègue qui est en train de se faire éclater là, l'autre. C'est ça, c'est une sauvegarde, c'est quoi ça? Faut le taper. On a... Je vais mettre ici pour voir ce que c'est. Il y a de hyènes, de loups là, je sais pas ce que c'est. Là. Voilà. Il y a un combattant plus seul, c'est bon. Oula. Il a attaqué le loup. Il y a un truc qui m'indique en haut là, je sais pas ce que c'est là, le chemin, c'est le chemin. Oh, j'avais pas fait gaffe, le rocher en haut. Ils ont des masses, ils ont de tout là. Ça a l'air d'être par là le chemin. S'il avait fallu que je me batte contre tout ça, laisse tomber. Il m'a éclaté en deux secondes. Ouais mais casse-toi. Alors c'est ça le problème, c'est pour se déplacer, pour éviter les coups, c'est trop... c'est pas assez rapide là quoi. C'est dur le jeu. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Je récupère une pierre. Si je reviens pas là où j'étais tout à l'heure. On sait pas où on est sur la map. C'est de me... Si je reviens là où j'étais là. Merde. Y'a un chemin là ou non? Salut les gars. Je vous dérange pas. Vite monde. Le problème du personnage c'est qu'il est tellement mou. J'ai trouvé un autre chemin les gars. Très dur le jeu. Très 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 dur. Ah oh bordel. Oh, et l'autre il me poursuit en plus. Oh. Ah ouais il me poursuit avec sa main jusqu'à là-bas lui. Eh ben les amis, je crois que ce jeu-là, faut avoir envie.
Je suis allé le plus loin possible que j'ai pu aller. Bon, par contre, je connais le chemin maintenant. Ce qu'il me faudrait, c'est de la vie. Ouais, j'en ai. Non, ça. La masse, ça sert à rien. Lâche. C'est pour mettre de la vie. On va essayer d'aller encore plus loin. J'essaie d'aller encore plus loin, les amis. Et Saloupio, il se planque derrière les petits rochers là, du coup. Je connais le chemin maintenant. Je connais le chemin par cœur. Putain, l'autre m'a touché avec son arc. Ça remet même pas de la vie, ce truc. Qui redonne la vie alors. D'accord. Ouais, ça remettait la vie ça. Peut-être tuer les lapins là, pour remettre la vie, peut-être, je pense. Merde, c'est pas ici. Si c'est là. Je reconnais pas le coin là. Oh. Ah là y est, fallait pas que je me fasse toucher moi, je me fais toucher. Si c'est là. Attends pas. Je suis mal, j'ai pas de vie. Pas de lapin dans le coin. Il me faut un lapin. Je sais pas comment je vais faire pour passer l'autre là-bas. Rien acheté. À quoi ils servent vraiment? Ils protègent ou je sais pas, c'est des marchands on dirait. Oh, je sais pas de vie hein. Dans ça. Ouais, je tue le loup là mais. Oui. Ah, t'arrêtes pas! Un jeu assez galère. Que le chemin c'est par là. Il faut avoir envie de trouver quelqu'un qui veut faire la suite avec vous là. Merde. C'est ce que là. Le problème c'est que l'autre dès qu'il va me voir là-bas il va pas arrêter de m'attaquer. Je vais remettre de là ça. Et j'ai pas de vie hein. Ça c'est le bordel. Ça. Il a montré le chemin là, comme ça. Il m'a pas tué heureusement, mais je suis dans la. À la gadou. C'est par là. Je suis pas tombé sur des cocos. C'est vraiment d'aller le plus loin possible que je peux. Si je peux aller aussi loin que je peux. Alors les armes ne servent pas à grand chose, elles sont pas puissantes, tu tues pas assez vite. C'est même pas par là. Alors que je grimpe, je crois. Connerie.
Même pour grimper, hein, Chine. Là, c'est par là. Je commence à bien connaître le chemin. Descendre. Je peux descendre là. Hop. S'il avait fallu que je fasse tous les combats que j'ai vus au début, c'est même pas la peine. Amène-nous ça. Descendre, ouais. J'ai pas envie de mourir, c'est même pour ça que je fais gaffe. Parce que... Ouais, je le crois. Que dalle le brouillard. La première fois que je vais aussi loin. Oula! Ah ouais d'accord, les araignées, les monstres et tout là. Moi enculé le piège. Et loup. Je lui ai dit que le coin était dangereux, mais alors, à ce point-là. Oh non. C'est beau. Ah, allez non! Oh putain, j'essaie d'aller encore plus loin. C'est dur hein. Franchement là les amis. Là je suis le plus loin possible je crois, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller encore plus loin. Une dernière fois, je vais essayer. Oh, merde, je peux le tuer le lapin. Et même tout à l'heure j'aurais su le tuer le lapin, j'aurais pu le tuer. Hein. Ah, la fatigue en plus, elle part vite. Hein. C'est bien qu'il fasse ce truc là. Bon, je connais le chemin. Hop. Et le GPS les gars maintenant. Ça on connaît. Je vois pas comment on peut se battre avec des armes aussi faibles, enfin aussi à des niveaux aussi bas. Des personnages, il est pas robuste le personnage, il est pas rapide, très mou comme on dit, il est mou du genou. Même à la course, c'est pas son point fort. Personnage, regardez la course parce que l'autre avec sa hache il va essayer de m'avoir. On passe par là. Ah. Le gros problème aussi qu'il y a, c'est pour mettre la vie dans le jeu. Ça c'est pas extraordinaire. Je m'arrête pas parce que ça y a rien. Alors, j'étais passé par là. J'évite tous les personnages, moi. J'essaie d'aller assez loin, hein. Je suis mort un paquet de fois, hein, je peux vous le dire. Au début je pensais que ça allait être tranquille, on avance, on tue tranquille. L'aventure, ouais, l'aventure, elle est plus dure que ce que je pensais. C'est par là. Là il y en a un paquet là. La monte. Ah, j'ai fait une connerie là, j'ai pas dû m'arrêter. Ouais, il me poursuit en plus.
Il est où le chemin là? Je me rappelle un peu où il est le chemin. Il y a l'autre qui me porte en plus. Je crois qu'il fallait monter là, non? Non, c'est pas par là. Vous allez dire? Ah, c'est à cause de l'autre là. Il m'a attaqué, c'est par là. Dans le jeu, comme on dit, les dieux sont pas avec moi. Comme il dit des vikings, il a plus vu le Vala que ce que le chemin, le mec. Le Vala, c'est le paradis, c'est pour les vikings. Enfin, je dis viking, c'est même pas un viking, mais c'est vrai qu'il ressemble un peu. Faut pas que je me fasse avoir comme tout à l'heure. Toutes les bestioles qu'il y avait tout à l'heure là. Alors le problème c'est qu'il y a un coin là, il y a un chemin par là. Il y a des loups. J'ai essayé de faire le tour. J'évite tout ce qui se passe. Oula, j'ai pas vu sortir lui. Oh là là. Ah ouais, ils sortent de nulle part les trucs hein, en plus. Je suis presque mort. Il y en a un qui attaque là-bas, c'est pas bon. D'un coup je suis mort. Les hyènes, hein, on peut me tuer. J'avance. Allez. Quoi, il avance pas un râteau le truc, hein. Ah putain, je me suis bloqué. On coule tout ce qu'il y a là. Ah, pas mal. Oula, il a failli m'avoir. Putain. Ah, ah, j'essaie les gars d'éviter tout pour avancer. Ah putain. Ah les gars, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est un jeu trop dur. C'est vraiment un jeu trop dur. Et trop dur, là, franchement. En plus, je suis seul, à deux peut-être. On irait plus loin peut-être. Pour les attaquer et se remettre la vie, mais là. Avec le. Parce que ça, c'est un bot là en fin de compte. Le bot, le temps qu'il remette la vie. Pour voir si je le touche, ça fait quoi? Toucher? Non, je peux pas le toucher. Et le problème, c'est que si je meurs une première fois, il me redonne la vie. Et si jamais il tombe, ben après, c'est foutu, on dirait. Que dur le jeu. Les amis, c'était pour vous le montrer vite fait. Pour vous dire qu'il est gratuit, par contre, sur le Game Pass. Si vous aimez ce style de jeu, ça a été pour vous. Si vous trouvez un collègue qui veut faire l'aventure avec vous, du pain béni, comme on dit. Allez, hop, sur ce coup, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos, d'autres lives. Pensez à me laisser un petit like sur YouTube, Twitch et TikTok. A plus les amis pour d'autres vidéos, d'autres lives. Ciao.